Voilà une note de spiritualité pour poursuivre cette émission, bien sûr, dans de bonnes conditions, n'est-ce ouais, pas? Si, ouais. Alors, on était donc en 2005. 2005, ouais, ma première exposition. Juste après ça, maintenant que le projet de Lyon est venu. Mm-hmm. Voilà, 50 Lyon, 50 artistes. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet que la ville de Lyon, en France, a initié. Mm-hmm. Et voilà, et le gars de la fondation avait ça. Et vous êtes allé en France ou ça s'est non, passé au Burkina? Les Lyons se sont réalisés au Burkina. Ah d'accord. Et on les a envoyés maintenant à Lyon. Okay. Mais ils ont délégué quelques têtes voilà, pour représenter un peu le Burkina. Mais je n'ai pas été. Mais j'ai eu cette chance de faire un Lyon parmi mm-hmm. les Lyons. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Vous n'avez pas été désigné? Non, non. Mais vous faisiez voilà. quand même partie voilà, ouais, du projet parce qu'il fallait 50 artistes mm-hmm. pour faire ces 50 Lyons. Mm-hmm. D'accord. Donc. Tout le monde ne pouvait pas partir, tous ces 50 artistes ne pouvaient pas partir, donc il fallait chercher au moins 5 à 6 artistes comme cela pour qu'ils partent, d'accord. voilà, pour s'occuper de l'expo et tout ça. Et, voilà. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous n'avez pas pu aller Bon, je me suis dit tout simplement que... Il y avait du travail à faire. Voilà, il y avait du travail à faire, mais bon, c'est pas parce qu'il y a des artistes qui vivent en Afrique, mais les yeux circulent en Europe. Hein. Mm-hmm, c'est clair. Voilà, donc moi, l'essentiel pour moi, c'est que j'arrive à percevoir l'argent qui... Vraiment, que j'arrive à toucher vraiment de cet argent mm-hmm. des lions.
Le fait de voyager, c'est bien aussi, ça te fait des découvertes, mais bon, quand tu es en Afrique et tu arrives à vendre aussi, c'est bien quoi. Voilà, alors, donc. Revenons sur l'objectif pour lequel vous êtes venu en Côte d'Ivoire. D'accord, je suis venu pour des rencontres. Voilà, l'idée m'est venue de... Est-ce que vous aviez ici un contact On vous a dit, vraiment, les arts en Côte d'Ivoire, ça commence à prendre, il faut absolument venir, on va faire des expositions, tout ça, ça va bien se passer. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Bon, depuis le Burkina, on entendait un peu, il y avait des échos qui disaient que, bon, après la crise, les choses commençaient à reprendre. Mm-hmm. Et voilà, et moi, je comptais vraiment pour faire un tour ici. Mm-hmm. Et j'ai eu cette chance aussi parce que j'ai un ami ivoirien, qui est sculpteur, d'accord, qui a d'ailleurs été dans le même centre que moi, qui réside au Burkina, et c'est un sculpteur, il s'appelle Abou Sidibé, d'accord, voilà, qui avait le contact d'un ami qui était ici. Mm-hmm. Voilà, donc Abou, comme il était ici à Abidjan, il a fait le CTA à Bingerville, voilà, il avait c'était un contact, donc il m'a filé ce contact, tiens, quand tu viens à Abidjan, tu vois telle personne va t'emmener à la galerie où je suis passé, et c'était comme cela, et je suis tombé dans une des galeries ici, la galerie où Camille Guizan. Non, on va pas. Voilà, d'accord, excusez. D'accord. Alors. Mm-hmm. Voilà, donc je viens. Donc vous êtes arrivé dans une galerie. Voilà, d'une galerie, voilà. Donc ils ont été accueillants, tout ça. Donc on a fait des projets ensemble. Je fais une résidence de 6 mois. Mm-hmm. Voilà, 6 mois. Et j'ai tiré au total 15 toiles. D'accord. Des grandes, voilà. Des grandes et des petites, tout ça. Mm-hmm. Et on a essayé de faire une expo ensemble. Non, l'expo, c'était habituel que. Axe Ouaga Abidjan. D'accord. Voilà, donc j'avais amené des toiles aussi de Ouaga. Mm-hmm. Donc l'expo a eu lieu avec 19 toiles plutôt. Mm-hmm. 15 que j'ai réalisées ici, mm-hmm, avec 4 de plus, voilà, qui font 19 maintenant. Voilà. Mm-hmm. Donc c'était comme cela et ça a été un succès. Voilà, toutes ces toiles ont été réservées, voilà, tout ça. Mm-hmm. Donc ça s'est bien passé. Je veux dire, c'est quoi les premières impressions après ces 6 mois? Si on vous demandait de faire un bilan, il serait absolument positif. Oui, positif. Il vraiment. Est positif. Hein. Positif, oui. Parce que je tenais vraiment à venir travailler ici et voir comment un peu dans le milieu artistique, comment ça bougeait. Mm-hmm. Je tenais vraiment à faire des rencontres parce que j'entendais dire qu'ici, il y avait les histoires du Beaux-Arts, tout ça, tu vois. Alors que nous, au Burkina, on n'a pas eu cette chance vraiment, à part la Fondation Louroum, il n'y a pas une école d'art en tant que telle. Donc je voulais ce frottement-là entre ceux qui ont fait un peu les beaux-arts, voilà. Mais finalement, qu'est-ce que vous décidez? Vous restez avec nous ou vous partez ou vous faites bon, la navette? Je fais la navette. je fais la navette. Je fais la navette. Vraiment, Abidjan, c'est doux, comme on le dit. Waouh. Franchement, Abidjan ouais, est doux. Hein. Voilà, c'est vraiment une ville accueillante. Les gens sont sympas et voilà. Et je vois que ça bouge, chacun essaye. Voilà, de se débrouiller à sa manière. Et y a plein, surtout le transport commun que j'ai aimé, les histoires des bacas, tout ça. Vous avez aimé, vous aimez leur façon de conduire. Vois, parce que quand, c'est pas ça, parce que c'est comme je vous dis dans mes peintures, je travaille beaucoup sur les scènes quotidiennes. Voilà, c'est un peu l'ambiance des quartiers populaires, des scènes de marché, voilà, des scènes de trucs, comment dirais-je, de maquis, voilà, des scènes un peu. Où on retrouve quand même l'ambiance, quoi. Mm-hmm. Vous voyez un peu. Donc, je m'imprègne de ça et j'essaie de les mettre sur toile à ma manière. D'accord. Voilà. Et votre genre, vous avez dit le naïf et le l'abstrait. Le naïf, voilà, et l'abstrait. En fait, voilà, le naïf, c'est quoi exactement? C'est un peu des scènes quotidiennes, un peu. Mais je n'ai pas voulu vraiment les faire comme le naïf parce que j'aime pas les trucs net. Mm-hmm. J'aime un peu quand la peinture, elle est un peu brute. Mm-hmm. Voilà. Donc, à travers ça aussi, il y a de l'énergie qui se dégage. Donc, et je dirais aussi que le fait de venir ici m'a permis de faire d'autres scènes aussi que je ne faisais pas au Burkina, parce que l'artiste, c'est ça. C'est-à-dire le frottement, voilà, avec, le frottement voilà. Avec d'autres artistes, voilà, et ça, le frottement aussi, je veux dire, à la vue même voilà, de ça. Certaines réalités c'est qui ça, étaient voilà, peut-être c'est différentes c'est ça. Donc, de ce qu'on a au Burkina. Voilà, donc j'ai des titres, j'ai des toiles qui se nomment un peu. Il y a une toile que j'ai nommée un peu Garba Choco. Wow. Voilà, Garba Choco. Il y a aussi la Biganaise. Mm-hmm. Et on vient de m'apprendre que c'est un peu l'hymne national. Voilà. Donc, ah, je ne savais pas. Vous venez en Côte d'Ivoire, voilà, vous donc, ne savez pas que notre je vois qu'il y a Abidjan aussi. Il y a les femmes sont belles aussi. Donc, wow. Voilà, inspiré de ça pour faire la toile, tout ça. Voilà, donc j'ai nommé la toile la Biganaise. La preuve. Voilà, voilà c'est ça. Voilà, d'accord. La Biganaise, il y a une scène de Baka aussi, voilà, comme on le dit. Voilà, c'est un peu des scènes. Je tire un peu du quotidien et j'essaie d'améliorer. Et on espère bien que les dieux de la technique seront avec nous pour qu'on puisse voir vos œuvres. Ouais, c'est ça.